Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Resident Evil, c'est l'épisode 8 et je me sens pas prête. Il paraît que ça va être potentiellement peut-être le dernier épisode sur avec Jill. Alors la question que je me pose c'est qu'avec Jill c'est bien beau de finir l'histoire mais à la base je voulais tuer Barry. Ah oh, coucou Asimo, merci pour ton rabot 32e mois d'abonnement, respect. J'espère que tu vas bien. Donc ouais je disais Jill et je voulais tuer Barry. C'est la fin. Donc, est-ce qu'il va falloir que je refasse la fin du jeu en ayant tué Barry pour voir la vraie fin que j'aimerais voir en fait? Donc bon, déjà on va essayer de finir, au moins une fois avec Jill, et voir si je reprends à partir de la mort de Barry. Sachant que c'est la sauvegarde 29 qu'il faut pas que j'écrase, je crois que c'était une histoire comme ça. Faut que je fasse gaffe à ma sauvegarde 29. Si je dis pas de conneries. Donc ouais, 29, 30, 31, entrée labo, ça nous intéresse, 29, je crois que c'est la 29, ouais. Dans le lore officiel, Barry est un gentil. Bah ouais, mais là, il est quand même chelou, quoi. Tu vois, moi, Barry, personnellement, j'ai juste de le rencontrer, tu sais. Donc j'ai envie de lui mettre une baffe. Ah, je me suis fait couper par le... Donc j'ai envie de lui mettre une bastos parce qu'il est méchant. Tu vois? Dans mon lore à moi, Barry, il est méchant. Alors, qu'est-ce qu'on a... Oh putain, ça me fait peur. C'est quoi ce qu'on entend, le bruit chelou là? Oh, l'ambiance elle est horrible. J'ai oublié à quel point l'ambiance elle est horrible. T'inquiète, tu comprendras. D'accord. Mais moi, par réflexe, avec les infos, le peu d'infos que j'avais là, ben, moi je me pose pas 10 millions de questions, putain, mais calme-toi la musique. Ah, elle m'a entendu. Ah non. Peut-être qu'il faut que je baisse le son de mon casque. Peut-être un peu fort. Ouais, je m'arme jusqu'aux dents là. Clairement. Clairement, clairement. Pistolet, gourde, briquet. Ah, il va y avoir des cadavres à cramer. Mais je sais même pas si, si la gourde elle est pleine. Pas de mag. Ah, pas de magnum. Ok, pas de magnum, pas de magnum. Ça veut dire garde ton magnum pour la fin. Donc on reprend la gourde et on reprend le briquet. Ok. Ce bruit métallique il me met trop mal. Attends, il est où mon bazar là? Attends, je suis reparti vers le bas là. Il est où mon briquet? Le sérum que j'aurais jamais utilisé finalement. Briquet. Briquet. Ça c'est quoi? C'était un mélange d'herbes, je crois, rouge, vert, bleu. Putain, je peux pas y aller. Après, encore une fois, je risque rien vu que je viens de sauvegarder. C'est quoi ce bruit métallique chelou? C'est la musique ou c'est un bruitage? Ah bah. Ah ok, d'accord. Il reste encore plein de kérosène. Comme de par hasard. Oui, c'est un grand couloir. Rouge, vert, bleu, gris. Ok. Oh putain! T'es pas prête. Attends, j'attends qu'il se... Il est où l'autre? Ah non, c'est pas... Ah putain, il est pas mort. Allez, il est mort là. Il va pas tomber à chaque balle quand même. Burn the witch, ouais, c'est clair. Ah bah si. Il veut pas mûrir. Hein. Là, normalement, il est mûri. Burn. Voilà. Donc oui, évidemment, il y en a un autre. Ça fait gros gros. Attends. Autant pas gâcher les munis. Normalement elle vise là ou pas? Non, elle vise pas. Bah elle touche pas là. Putain. Là elle touche.
Ah, il est en tenue de labo, c'est moi. Ou je rêve. Attention, économise l'essence, c'est temps de regrouper les cadavres. Ah ouais, mais c'est compliqué ton histoire là. Il est mort là? Ah ouais. Ah, ça va être chaud de regrouper les cadavres là. Mais déjà, j'ai ramené deux essences d'avant. C'est-à-dire, j'ai économisé deux d'essence par rapport à la zone d'avant. Et tiens, c'est bien. Alors, je dépose 2-3 trucs déjà. J'y vais. C'est parqué encore plein de kérosène. Vous êtes large, ça veut dire. Amusez-vous bien à tuer tout le monde et à brûler tout le monde. Très vite, faire venir jusqu'à l'autre. Ah ouais, mais attends, j'en suis pas à ce point-là, moi. Je suis pas à ce niveau-là. Hein. Après, je suis en normal. Ils vont pas me punir pour ça, le jeu. Désolé si j'ai un peu la crève. Je suis souvent la crève, de toute manière. Mais j'étais en allergie. Je suis passée. Je suis restée genre. Ça fait 2 nuits que j'étais dehors, là. Dans le froid et l'humidité. Donc voilà, normalement, il va y avoir forcément un impact sur la voix ou sur le pif ou quelque chose. J'essaierai de faire en sorte que ça s'entende pas trop. En fait, j'ai platine R2, fierté. Ah ouais, tu m'étonnes. Grosse fiertance. GG à toi. Tu sais que depuis tout à l'heure, j'appuie sur le pad pour avoir la carte. Mais non. Ah, mais je sais pourquoi. C'est à cause de Naruto Shippuden. Du ruban encreur, disque mémoire. Putain, j'en veux pas de leur disque de merde là. C'est quoi ça? C'est verrouillé électroniquement. Ah! Putain, je suis déjà full. Je vais en faire de l'aller-retour. Tu sais que les zombies me font vachement moins peur depuis ce qu'on a croisé. Vachement, vachement, vachement. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs types de disques durs, quoi. Alors attends, j'aimerais bien. Réflexe, examiner. Il va me dire qu'il s'agit d'un disque dur permettant de réinitialiser un système. Parasol 1200. Est-ce que c'est important ce qui est marqué dessus? Je ne sais pas encore. Oh, j'ai beaucoup trop de soins. Autant je manque de mini, mais les soins. C'est insane. C'est insane. Linéon s'est échappé. Au revoir, Linéon. Bon, j'espère que ça va depuis 2 semaines. Ça s'est pas trop vu. Quoi qu'il n'y ait pas beaucoup vu. Bon, il va falloir que je reprenne. Enfin, je réfléchisse à quel rythme je vais prendre là pour cette année. Du coup, j'ai platine 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, masse le 7 et 8 que je ferai pas. Je déteste le mode mercenaire du 8. C'est quoi le mode mercenaire du 8? Ça consiste en quoi? Labo B3. Oh, j'ai pas envie d'y aller. Je vais dire toi toute la soirée. J'ai pas envie d'y aller. Vous voulez pas faire du supermarché together, poteau? Merde, attends. J'en entends un autre marcher. Oh! Critique? Ah bah lui, il aura besoin d'être cramé, tu vois. Ça, c'est efficace. Ah, on est d'accord, une fois qu'il appuie la tête, il appuie la tête. Hein. Un speedrun dans une zone en chrono et minimité avec un certain... Oh lolo, ça m'a l'air compliqué. Là. Apparemment, cette porte s'ouvre. Ça me fait bizarre d'être dans le premier labo d'Umbrella, quoi. Le premier jeu Resident Evil, c'était celui-là, on est d'accord. Et le crypt, c'est définitif. Oh yeah! Un linge de désherbe verte se trouve à l'intérieur. Allez, vas-y, je prends.
C'est une porte, ça? C'est de là d'où je viens? Non. Oh, le bruit. Oh, une radio? Radiographie. Clark David. Rien d'inhabituel. Numéro 11. Ok. Ah, faut faire les placer dans l'ordre, j'imagine. Il y a de la place pour accrocher une radiographie. Ed Fisher. Ah non, non, t'as écrit Ed Fisher. Alex Boucher. Moi j'ai quoi? J'ai Clark David ABCD. Ok, c'est bon, j'ai. ABCD EF GH. Et allez, c'est bon, j'ai. Un mémo épinglé au tableau attire votre attention. Il y a quelque chose de griffonné. Pour utiliser la porte électronique, placez les initiales alphabétiquement. Ah ouais, mais j'avais déjà compris avant qu'ils me disent. Ah, faut que je l'examine d'abord? Non. Mais j'avais déjà examiné. Gail Holland. C'est que je devais être mal placé. Pardon. Lettre du chercheur. 8 juin 98. Ma chère Ada. Ah, Ada! La vraie Ada, c'est tes premiers albums jusqu'à ce qu'il fasse le zéro. Ah mais oui. Lorsque tu poseras les yeux sur cette lettre, je ne serai sans doute plus celui que tu connaissais. J'ai reçu les résultats de mes analyses aujourd'hui. Comme je m'y attendais, elles sont positives. J'ai l'impression de perdre la tête quand je pense à ce qui m'attend. Je ferai n'importe quoi pour ne pas devenir comme eux. Pour autant que je sache, tu n'as pas été contaminé. J'espère que nous n'en arrivons pas là, mais s'il s'avère que tu es la dernière survivante, je veux que tu ailles chercher les informations qui se trouvent dans la salle des données visuelles. Ensuite, active le système d'autodestruction dans la salle haute tension et enfuis-toi. Je t'en prie, fais tout ce que tu peux pour que personne ne sache rien de cet accident. Si tout fonctionne encore correctement, tu devrais pouvoir débloquer toutes les serrures à l'aide du système de sécurité. J'ai configuré le terminal de la petite salle de sécurité de façon à ce que tu puisses accéder au système en tapant mon nom et le mot de passe que j'ai choisi, c'est-à-dire ton prénom. Pour ouvrir la porte du sous-sol 2 où se trouve la salle des données visuelles, tu devras saisir un autre mot de passe. Par mesure de précaution, j'ai codé ce mot de passe dans une radiographie. Je te connais, je suis sûr que tu n'auras aucun mal à le découvrir. Une dernière chose, et ceci est mon ultime volonté. J'espère que tu ne me verras jamais dans ces états, mais si je me transforme en l'un de ces monstres, je te supplie d'abréger mes souffrances, et j'espère que tu comprends. Je te remercie, Ada. Bien à toi, John. Donc c'est John Ada. Parce qu'il a dit son nom plus le nom de sa copine. Donc ça, je vais l'épingler, ça. John Ada. Putain, j'arrive pas à écrire, je suis dans le noir. John Ada. Je garde ces infos là. Je le retirerai manuellement. Quitter. John Ada. Donc ici, est-ce que j'en garde? Est-ce que ça a été utile de mettre dans l'ordre les radios là? Yo Zouk, comment ça va bien? Quelque chose de griffonné pour utiliser la porte de passer les initiales alphabétiquement. Pour ouvrir la porte électronique. Session unit fini. Oh yeah. Oui, c'est utile. D'accord. Attends, il y a un truc là. Il y a un bouton. Appuyez, oui. Ah, une partie rouge-joie. Une partie rouge-joie, une partie rouge-joie, une partie rouge-joie. D'accord. Intervertir, non? Non, non, je veux pas les intervertir. Ah, je crois pas. Elles sont déjà dans l'ordre, non? Donc là, c'est quoi qui... C'est le colon. Quelque chose de griffonné. Pour utiliser la porte, passer les initiales, alphabétiquement. Parce que là, c'est colon le premier. Ensuite, c'est quoi? Ensuite, c'est œsophage. Colon, œsophage.
Ensuite, c'est liver. Ok. Et l'autre, foulon. Lungs. Bah, tout est déjà dans l'ordre, même pour le nom des organes. C-E-L-L. Cell. C-E-2-L. Ouais, c'est ça, C-E-2-L. C'est le mot de passe. C'est-à-dire cellule, non? Mot de passe. Bon, voilà, on a John, Ada et Cell. C'est pas mal. Exactement. Normalement, on a tous nos passes. Je déteste le bruit de cette porte. Et là, on est dans un couloir. Oui, un couloir. Oh. C'est verrouillé. Et là, c'est quoi? Des leviers pour débloquer les serrures de porte. Si vous pouviez débloquer les verrouillages des leviers. C'est verrouillé. Il faudra actionner ces leviers. Ok, d'accord. Donc ça, c'est trop tôt. Ok. Je trouve qu'on a trouvé une pièce des plus importantes là où on était. Ça grogne pas là. Attends, j'ai plus que combien. Est-ce que je vais rechercher et vider un peu là? J'ai fier temps si j'ai un critique. Hein. Oh putain, c'est mon ombre, elle m'a fait flipper. Oh putain d'ombre. La pièce est rouge. Ah merde, j'ai pas vu. Mon vert. La pièce est rouge? Ah ouais, bah tu vois, j'étais persuadée qu'elle était verte. Le couloir est rouge, mais la pièce est rouge, d'accord. Attends. Niveau d'en dessous. Non, non, la pièce elle est verte. C'est le carré qui est rouge par contre. Effectivement, j'ai du boulot. Mais oui. Non, je croyais que tu parlais de la pièce des radios. Je voulais déposer 2-3 cochonneries. Bah surtout une en fait. Non mais sérieusement. Oh là. Non mais franchement, j'en ai marre d'avoir autant de soins. Calme-toi la Zikmu. Techniquement, le couloir est une pièce. Oui, certes. Mais je croyais vraiment que tu me parlais de l'autre petite pièce. Et je vais me moucher pour la première fois de la soirée. C'est bon, on y retourne. Par contre, pour la touche, je suis désolée, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Parce que j'étais bénévole dans un festoche ce week-end. J'ai fait beaucoup de sessions de nuit et je sais pas si pour vous c'est pareil, mais nous on se caille le cul. C'était entre 11 et 13 degrés la nuit. Donc on a dit couloir. J'ai vu qu'il y avait une porte verte par là. Oh l'ambiance elle est horrible. Oh je veux pas y aller, j'ai peur. L'angle de vue, il est ouf. Apparemment, ça grogne pas. Hein? Oh, putain. Mon fils, si ça grogne, je me casse en courant. Prendre une munition de Magnum, oui. Ah, purée. Ah, les décors, ils sont trop beaux. Un écran permet d'afficher des images vues au microscope électron. Les effets de miroir et tout, ils sont chauds. Note du chercheur. Oh, pardon. Tout tend à démontrer que le virus T affecte le génome de l'organisme hôte. Nous avons maintenant la preuve qu'une fois que l'individu a perdu connaissance, le corps entre dans un état latent. Pendant cette période, le virus s'active et transforme rapidement l'organisme en recomposant sa structure de base. L'hôte finit par prendre la forme d'une créature humanoïde que nous appelons V-Act. La vitesse à laquelle le virus agit et le développement musculaire important qu'il entraîne sont particulièrement remarquables. Ah, ils ont plus de force qu'un humain normal. Après la mutation, l'individu devient plus agile et plus agressif.
Quatre de nos chercheurs ont déjà péri en tentant de le nourrir. Ah non, ça c'est un spécial. Cela s'est terminé dans un véritable bain de sang. Depuis cet accident tragique et horrible, nous avons baptisé l'espèce Tête Sanglante. Impossible de laisser ce précieux spécimen là où il est. Nous devons trouver une solution. Bien sûr, il est hors de question de le détruire. Nous avons finalement décidé de congeler le spécimen et de confiner son corps dans le sous-sol du cimetière de la cour. Ah, mais c'est celui qu'on a déjà tué! Congeler le spécimen et de confiner son corps dans le sous-sol du cimetière de la cour. C'était celui qui était dans la tombe, ça! Le EV Act. Crimson Head. Ah, ok! Umbrella Corp Computer. Moi, je connais pas le login et mot de passe, là. Ah, attends. Non, ça doit pas être ça. C'est pas vrai, c'est ça? Oh putain, c'est ça. Basement Door Lock Operation. Ah merde, j'ai fait échappe. Oh la boulette. Je suis obligé d'en commencer, fais chier. J'étais presque, j'ai failli faire d'un coup. Est-ce que j'ai fait un halo? Non mais j'ai eu peur que ce soit un monstre que j'avais pas encore battu, tu sais. Oh, il y a les images et tout stylé. Et l'autre, c'est celle aussi? Unlock aussi, ok. Bon, j'ai tout débloqué, mais je sais pas pourquoi. C'est pas compliqué. Putain, la pièce est rouge. Oh, putain. Oh, ça va me sauter dessus. Oh, je suis pas prête. Oh, je suis pas prête. Et je cours, je regarde pas. Je cours, je regarde pas, je cours, je regarde pas. Ohé, ohé. Les substances, non, c'est pas ça qui m'intéresse. Putain, mon ombre. J'ai peur de mon ombre. Oh, je vais me détester cet endroit. Je regarde pas. Ils sont congelés. Je regarde pas. C'est encore rouge, putain, c'est où? Et j'y tenais tout ce que j'avais là. J'étais pas bien. C'est où? Pourquoi c'est encore rouge? Map. C'est encore rouge ici. Retourne-y, t'inquiète. Ouais, ouais, non? Oh putain, 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 putain. Non, j'ai rien. Y'a plus rien qui brille là. Y'a pas une carte sur un mur, quelque chose? Des écrans à cristaux liquides. Il reste un morceau de cadavre sur la table d'opération. Putain, c'est dégueulasse. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je vois rien qui brille. Dans l'entrée. Non, je vois rien. Bah là, je sais pas. Je sèche. Un écran permettant d'afficher des images vues au microscope. Ouais, mais le microscope, il est éclaté. C'est dans le petit couloir. C'est dans le petit couloir. Mais dans le petit couloir, je ne vois plus rien. Des substances chimiques. Je vais retourner. Ah! Putain. C'était pas coloré. Hein. Oh putain, j'ai trouvé. Et bah, il n'y avait pas le petit truc brillant. Ouais.
beaucoup trop de soins là. Faut qu'on arrête de me donner du soin. J'aime pas trop beaucoup ça quand on me donne trop de soins comme ça. Je m'en fous, je reviendrai plus dans cette pièce trop chelou. Bye bye, la pièce trop chelou. Ah ouais, non, c'était bien caché. Je vais récupérer mon fichier. Et on est reparti pour un tour. Je suis pas allé tout droit. C'est histoire de faire le tour autrement. Ah, l'effet du ventilo qui passe comme ça. Ah. Oh, l'ambiance elle est horrible. Oh là là. Il y a un énorme travail sur l'ambiance quand même. Alors j'ai pas tout ramassé, ni ce qu'il me dit. Mais je vais aller vider mes poches. Mes pockets. Est-ce que je sauvegarde? That is the question. Après ce sera rapide à refaire ce que j'ai fait là. Après, rapide, oui, non, parce que j'ai tué 4 zonzons. Est-ce que ça peut être commencé à être intéressant d'enregistrer? 4 zonzons et j'ai éclaté une tête. On a déjà fait pire en termes de timing. Après, comme j'ai que 2 rubans en croix, il faudrait que je fasse un ruban par heure. En fait. C'est dans le coin bas gauche, l'objet qui te manque sur une étagère, il me semble. Ok, j'allais voir. Oh, le bordel. Un chargeur de pistolet de mémoire, ok. Alors, est-ce que d'après toi, je dois enregistrer ou pas? Ou est-ce que c'est pas utile, ou est-ce qu'il vaut mieux pas? Non, pas de suite. Ok. Donc on va essayer d'attendre encore un petit peu. Si je dis pas de conneries, j'ai 2 rubans. Mais je sais que c'est plus ça avance et plus ça va être dur de... Pose le pompe. Attends, attends. Plus ça va être dur de... Il me sécurise le pompe. Genre si je croise un chien. Donc plus ça avance et plus je vais avoir... Et moi je vais avoir 2 rubans. Alors tu m'as dit dans un angle, une étagère. Angle, étagère, des récipients, des récipients. Bah bien joué. C'était sur le lit et je le voyais même pas. Truc de fou. Voilà, nickel. Allez, c'est parti, à la porte verte, let's go. La porte verte. Oh, j'ai un coup de poignard dans le dos là. Respire. Alors, qu'est-ce qui va arriver comme monstre derrière la porte? Ah, du ruban. Oh, trop bien. Oh bah oui, bah je vais pouvoir enregistrer. C'est juste un KGB ou quoi? Ah, il va falloir que je dépose des choses, c'est ça? Vous ne pouvez plus porter d'objets. Bah ouais, c'est ma faute. Il dévie et plein de récipients de tubes assez vides. J'entends un truc là. Putain, j'entends un truc. Je connais pas par cœur ce jeu. Ça grognait. Pourtant, la pièce, elle avait pas l'air si grande. Et j'aime pas quand ça grogne sur des petites pièces. Alors, je vais essayer d'être logique pour pas le cramer pour rien. Parce que si j'ai plus besoin d'y retourner dans cette pièce, je le cramerai pas. Je crois que je vais poser le soin. Hein. Ah, cette ombre qui me fait flipper à chaque fois. Je vais poser le soin, mais je vais garder le fusil. Je suis désolée, je stresse trop sinon.
coffre. Coffre. On a dit que le soin, bah tant pis. Hein. Elle est un peu lassante la musique à la fin. On va combiner les rubans. Et j'avoue qu'avec 5, par contre, je vais pas me gêner. Une vieille machine à écrire, oui. 5, je peux me permettre. La musique, elle a déconné. Ok, ça c'est fait. Allez. Donc ça, je dépose. Non, mais il me donne trop de muni, là. J'aime pas trop beaucoup ça. J'en peux plus de ce bordel. Trop bordélique. Voilà, allez go, on y retourne. On va aller voir le greu-greu. Le greu-greu. Celui qui greu-grogne. Mais bon, il reste 3 rubans à trouver, c'est fini. Si je comprends pas avec le Easy, sinon c'est le dernier. D'accord. Ah, ok. Ah, oh, mais 5, ça va. Dis-toi que 5, si c'est... Ouais, allez. 2h30 si je fais toutes les demi-heures, mais ce sera pas le cas. Et allez, 3h si j'utilise régulièrement. Quoi. Bon, bah on va aller voir quel est notre petit ennemi. Après, j'ai plein de tasers et encore plein de couteaux, donc il peut venir me grignoter l'épaule. Il va se faire recevoir. On va être bourré de métal ever ce soir. Il veut pas venir. Filtre à diapo. Filtre à diapo, rien d'inhabituel. Des diapositives rouges sont placées à l'intérieur, il n'y a rien dessus. Ok. Il est où le monsieur qui grogne? Oh putain! Il vient pas? Oh putain! Je laisse Tico essayer. Flipper quand même. La pièce c'est pas grande donc faut que je la vide et comme ça j'y reviendrai jamais. Un système de transmission de son. Ah non! Et merde, faut les disques durs. Fax. Au service sanitaire à l'attention du directeur des services sanitaires du comité d'alerte de Raccoon. T'as vu, j'ai pas crié. J'ai pas trop eu peur. Ce rapport est strictement confidentiel et ne doit être lu que par la personne à qui il est adressé. Toute copie ou divulgation du contenu de ce fax à un tiers est strictement interdite par son expéditeur. Ce fax doit être détruit immédiatement après avoir voulu... Bah oui, celui-là, je vais le cramer parce que je vais devoir revenir avec le disque dur. Les dégâts entraînés par l'épidémie de virus T seront bien plus importants que ceux que nous avions initialement prévus. Nous portons donc les faits suivants à votre attention. Premièrement, plus de la moitié des chercheurs ont été infectés par le virus T et sont morts. De plus, la quasi-totalité des survivants commence à manifester des symptômes de l'infection. Ouais. Deuxièmement, notre équipe secrète de sécurité a été totalement anéantie. Par conséquent, nos recherches ultra-secrètes risquent d'être dévoilées au grand jour. Nous vous demandons d'agir immédiatement afin que les médias ne s'arrachent l'affaire. Troisièmement, il y a de grandes chances pour que la plupart des spécimens errent en liberté dans le complexe. On peut s'attendre à une augmentation du nombre de victimes. Il manque une lettre, mais c'est pas grave. Bien que la mort de ces personnes soit très regrettable... Ces événements confirment le succès de nos recherches. Il nous faut agir sans attendre pour que les résultats de nos recherches ne soient pas divulgués au grand public. Nous pensions que la première intervention officielle sera le fait de la police, d'État et des stars. Nous vous recommandons fortement de prendre dès maintenant les mesures nécessaires les concernant. D'où le piège. Oh, c'est joli ça.
On dirait qu'il y a quelque chose derrière cette lourde porte. Ouvrir? Non. Ah non, absolument pas. Je veux pas y aller. Voilà, j'attends qu'il fasse le petit méchoui là. C'est bon. Et du coup, un disque dur envoie un autre? Je vais remplir au retour. Un poncho! Je pourrais te répondre sur les dés, mais ça spoil. Ah ok, d'accord, je vois. Bah du coup, je vais regarder s'ils ont des chiffres différents dessus. De manière idéale, c'est de prendre les deux. Je vais poser ça maintenant, là. Tac. Tac. Examiner. Là, il y a écrit quoi? 1200. Ok. Et là, il y a écrit quoi? 1200. Ok. Pose pas, pose le pompe. Ah. Oh, l'angle de vue. Donc, je pose le pompe et je reprends l'autre. Oh là, le temps perdu avec ces conneries. Voilà, je suis bien rempli. Je sais pas si t'as bien vu, mais il y a une salle à côté de l'escalier. Oui, exact. La porte est ouverte de la salle. J'ai pas fait gaffe encore sur la carte. Ah oui, c'est vert. Bon, on va aller voir. On va aller voir ça de suite. Et non, je l'avais oublié celle-ci. J'étais focus sur l'autre, mais je me suis pas intéressée à celle-là. Oui, avec l'ordi et les mots de passe. Ça grogne pas, c'est déjà ça. Là, ça brille. Oh putain, encore un troisième. Ah bah c'est là le truc diapo. La cassette est en place, la regardez, oui. Du matériel publicitaire pour les armes biologiques de Umbrella. MA-39 Cerberus. Ah bah ça on en a vu. FI-03 Neptune. Là. MA-121 Hunter. T-002 Tyran. Je l'ai pas croisé le Tyran encore. Groupe de recherche sur les armes biologiques, équipe de développement. Code barre. Ah, le code barre nous intéresse peut-être. Du matériel publicitaire pour les armes. Donc à mon avis. Donc là, c'est avec un filtre rouge maintenant. Groupe de recherche 8462. Y a pas un Wesker sur la photo? Moi ça me dit rien. Après je connais pas assez bien. 8462. Attends. Ça remplacera l'autre. Les Neptunes m'ont bien fait chier quand même. Et Tyran, et... alors attends, est-ce qu'il y a Wesker à droite? Je suis censé le connaître, c'est ça? Celui du milieu, il fait bien bigleux quand même. Les chercheurs avec les lunettes. Ouais, je suis dessus là. Donc lui c'est Whisker. 8, 4, 6, 2. Ok, donc ça c'est fait. C'est quoi ça là-bas? Protocole de sécurité.
Rez-de-chaussée, héliport, réservé aux membres de la direction. Cette restriction ne s'applique pas en cas d'urgence. Passage vers l'héliport, entrée interdite hormis en présence d'un conseiller en recherche ou du directeur de la sécurité. Ordre est donné de tirer à vue sur toute autre personne non autorisée. Ça serait pas ton chef d'équipe? Oh, je suis pas sûr. L'ascenseur s'arrête en cas d'urgence. Salle des données visuelles, accès réservé à la division de recherche spécialisée. Seul Keith Irving, directeur de sa salle, peut donner à d'autres personnes l'autorisation d'y accéder. Prison. Prison, la prison est sous la responsabilité des services sanitaires. Au moins un conseiller en recherche, Smith, Ross ou Wesker, doit être présent en cas d'utilisation d'un virus. Comme je connais pas bien tout ce qui est Umbrella Corporation et compagnie, Wesker, je sais plus qui c'est. Porte à triple verrou, l'entrée dans cette pièce est limitée à la personne qui désactive la serrure à l'aide de tous les codes d'accès. L'accès aux terminaux situés dans chaque section des directeurs de recherche désactive la serrure. D'accord. Donc on est obligé d'aller en pri la prison, quoi. Salaud de tension. Dans cette pièce, la principale source d'énergie est un composant à base de nitroglycérine. Son accès est restreint aux surveillants de quartier général. Cette restriction ne s'applique pas aux conseillers en recherche disposant d'une autorisation spéciale. Terminaux des codes d'accès. L'utilisation de ces terminaux est réservée aux principaux chercheurs. Wesker, c'est ton chef qui est avec toi depuis le début. Ah bon? Mais non, c'est Barry qui est avec nous depuis le début. En ce qui concerne les progrès de Tyran, après l'administration du virus T, le reste des documents est utilisé. Putain, Tyran, ça va être le boss de fin. Fais chier. Et merde. Crony. Ça, c'est déjà fait. Encore quelque chose. Le téléphone? Un terminal de site code de sécurité. L'utiliser, oui. 8462. Pourvu que ça m'attaque pas. Vous ne pouvez plus porter d'objet. Flemme de faire l'aller-retour. Prendre clé du laboratoire, oui. Oh, de l'équipement de montage vidéo, on dirait que vous pouvez l'utiliser pour voir la cassette de Kenneth. Regardez les vidéos. Oh. Ok, sympa. Barry, Chris, Jill et Wesker, celui qui tirait dans le couloir de la maison au jardin. Oh là, je me rappelle plus du tout de celui-là, faudrait que je revoie des épisodes. Ok, bah j'ai regardé la cassette, c'est génial. Et qui a dit Jill Barry de partir à gauche au début alors que tu lui partais à droite? Ah, c'est d'accord. De l'équipement de montage vidéo. Et la zone est encore rouge. Mais je sais pas pourquoi. Tout ramasser pourtant. Ou pas. Trouver. je vais devoir refaire le voyage. C'est parce que j'ai pris trop de cartes de mémoire avec moi. Si tu viens plus, c'est compliqué. Ouais. Après, si je l'ai aperçu qu'au début du jeu et que ça a duré 2 minutes, c'est pas choquant que je m'en souvienne plus. Rouge plan sur le mur. Non, il y avait aussi cartouche. Il y a peut-être plan sur le mur aussi. Attends, je vais déposer des disques mémoire déjà. Je vais garder la clé sur moi. Bah, tu sais que j'ai une mémoire de mouche. De poisson rouge, Dory. Dory l'exploratrice, on va m'appeler. Un carré blanc, faut deviner. Attends, c'est que je veux ça combiner. Ah, j'en ai pas tant que ça de mini-pistolet. Faut pas trop que je fasse la maline. Hein. Pointeau, pointeau. J'ai pas hâte de croiser le tyran, quoi. Je me rappelle de ta mémoire infaillible. Ouais, non, faut pas chercher.
Je vais retenir des choses, mais je vais pas retenir certaines autres. Donc il y a beaucoup de choses qui s'évaporent quand même. Prendre une mission de fusil, oui. Et c'est tout rouge encore. Ok, qu'est-ce qui te plaît pas, le jeu? Qu'est-ce qui te plaît pas, le jeu? Ça j'ai vu, ça j'ai vu. Ah, bah dans le code je l'ai fait. Ah merde. Sur la table il y a quelque chose? Bah non. Il y a peut-être un levier, quelque chose que j'ai pas baissé? Les enregistrements du vide sont parfaitement classés, il n'a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit d'important. Pourquoi t'es tout rouge? Parce que si je regarde la vidéo de Kenneth une deuxième fois, ça sert à rien. Ah, je déteste cette vitre là en face. Parce que quand on part de la vidéo, on la voit dans la. Un carré blanc dans une vitrine. Ah! C'est ça que tu me disais! Un carré blanc dans une vitrine. Je comprenais pas ce que. Pourquoi tu me disais carré blanc vitrine? Des vidéos sont rangées. Carré blanc vitrine. Carré blanc vitrine. Ah! Une carte laboratoire, putain, sérieux. Non mais elle est abusée que. Vous avez pris la carte? Bah ouais, putain, et je l'aurais pas trouvée. J'ai. GG, j'aurais pas trouvé vu elle là où elle était. C'était abusé comment elle était cachée quoi. Et puis en plus, il est encore là le carré blanc. Ah ouais, non, faut la voir celle-ci, c'est abusé. C'est vraiment abusé là. Quelle heure il est? 22h50, ça va, j'ai encore un peu de temps avant de prendre mon fichier. Ah, le temps il passe pas, ça fait trop peur. L'autre jour on parlait avec Corto de. Ouais, le jeu il fait pas trop peur et tout. Ouais, mais parce que tu. C'est parce que tu conduis pas. Quand tu sais pas ce qui va t'arriver sur le coin de la binette, tu fais moins le malin. Elle est où la pièce où je devais mettre le. C'était celle-là, je crois, c'était par là. Et puis j'ai repéré là où il faudra mettre de la nitroglycérine aussi. Nitroglycérine que tu croises à tous les quatre coins de la. Tous les quatre coins du pays. C'est bien connu. Donc un disque dur, pour me transmettre le code, blablabla. Pouic! En transmettant le code, vous avez débloqué quelque chose. Tant mieux! Et là, la nitro, bah j'ai rien à remplir dedans, donc ça sert à rien d'ouvrir maintenant. Ce sera pour après. Ok. Maintenant, non, faut que je trouve la porte suivante. J'ai une clé de labo. J'ai une clé de labo. Donc je vais tester toutes les portes. Attends, peut-être que j'aurais pu rester d'ailleurs dans ce couloir-là. Parce que ça se trouve. La clé, elle est reliée à quelque chose par ici. Il y a une porte par là. Attends, là il y a une porte? Oh putain, il y a une porte là. Vous avez utilisé la clé de labo. Ah bah voilà. Allez, allez. Oh, c'est quoi ces bruits de dégueulasse?
pas qu'il est vraiment bizarre et que je cherche pas ce que c'est. Vraiment pas. Qu'est-ce que c'est? C'est au plafond? Là, le pompe est utile. Ah putain, sérieux? Attends, je ressors, je ressors! Ah, c'est quoi cette bestiole? Mon conseil de verrouiller l'autre porte et revient avec le pompe. D'accord, ok. Ah putain, Taras! Putain, ça fait trop peur là. Je déteste ne pas voir ce que je fais. Bon, cette pièce là est un peu trop dangereuse à mon goût. On va aller par là. Hein? On va laisser tomber ici. Un fluvetin. Je vais voir au bout du couloir si elle s'ouvrait celle-ci. Ah mais non, je suis con, c'est cette porte-là, là. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. L'autre porte est juste en face. Oui, oui, non, mais c'est que j'ai confondu avec celle-là. Je me rappelais plus ce que c'était celle-là, mais maintenant je sais. J'ai quoi dans l'inventaire, là? Et le vieux bruit que ça faisait, je te jure, c'était abusé. C'était horrible. Vous avez utilisé la clé du laboratoire, vous n'avez plus besoin de cette clé. La jeter, bah oui, du coup. Qu'est-ce qu'il y a par là? Je suis pas très rassurée. Ça grogne pas. C'est déjà ça. Est-ce que ça va me tomber dessus là comme d'un coup? Là, il y a un ascenseur, ok. L'ascenseur ne fonctionne pas, il faut sans doute appuyer sur l'interrupteur à droite. Apparemment, s'il y a eu le panneau de contrôle, appuyez sur l'interrupteur. Oui. L'alimentation semble coupée. Ok. Et on voyait bien que les loupiottes n'étaient pas allumées. Ici, il y a une pièce cul-de-sac. Ça m'intéresse. Et s'il me faut un disque dur, du coup, bah, ça fait... c'est la boulette. Il va falloir que j'en vienne. Oh! Oh, c'est une zone safe! Trop bing! Pourtant l'autre est super proche. Oh, il y a du ruban. Oh, ils sont gentils, ils me filent plein de rubans. Je vais pouvoir sauvegarder. Waouh. Il y a tout plein de trucs. Oh, il y a tout plein de trucs. Cette musique du bonheur. Mais oui. Cette musique de l'amour. J'adore. Tu m'as dit de prendre le fusil là. Est-ce que je garde le soin quand même sur moi au cas où? Ruban, je vais sauvegarder donc oui, c'est normal. Non, je vais poser parce que sinon ça me fait trop de bordel sur moi. Ah ouais, cette petite douce musique adorable. J'apprécie. C'est les trois derniers rubans. Pose les greux, le briquet, la gourde et save. Ah, attends. Donc tu m'as dit... Attends. Non bah tant pis, au pire, c'est pas grave. Je savais pas s'il allait pas me retirer mon ruban. Normalement non, mais... J'ai préféré assurer le coup. Alors tu m'as dit pose les greux, le briquet, la gourde. Essaye, pose greux, briquet. Oh putain le bordel, j'en peux plus. Voilà, il nous reste 6 rubans. Prends les DD. T'as pas effacé le salon? Non, 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 non. Non, non, non. J'ai remplacé le 31.
Donc tu m'as dit, t'as pas... non, normalement, non. Pose les greux, le briquet, la gourde. Alors, pose les greux. J'avais pas de greux. Le briquet, la gourde est safe. J'avais pas de greux. Ah, si, aussi, j'avais des greux, peut-être. Bon, j'ai fait comme ça, c'est pas mal. Ouais, le disque j'ai pris, ouais. Ah, désolé, je suis en train de moucher. Ah, du coup, tu veux que je prenne les deux, peut-être? T'en as deux? Ouais. Allez, je prends les deux. Puis juste après, je récupère mon fichier, let's go. Putain, il est où le... Non, mais franchement. C'est bon, je peux récupérer mon fichier. Et elle est là où ça grogne bizarrement. The reparti. Techniquement, tu peux même poser le pistolet. Ouais, mais... Ouais. L'autre jour, t'as vu, j'étais à la dernière balle. C'est chaud. Oh, c'est porte. Mais les bruits à une porte en métal, je déteste. Il y a tout un espace en bas. Hein. Pas le meilleur moment où, y aller. C'est rouillé, impossible d'ouvrir la porte. Ok, d'accord. On retourne là où ça fait des bruits chelous. Des bruits très chelous. Bah là, ça va défroyer sévère là. Oh, ces bruits dégueulasses. Nouvel ennemi, ok. Mais là, je vais devoir tirer à l'aveugle, hein, parce que je vois pas du tout ce qu'il y a. Oh merde. C'est le mélange d'araignée et d'humain, c'est chelou. J'ai pris un coup, hein. On a paré du à bout portant au max. Ouais. Ah, mais bon. Ah, c'est dégueulasse. La table de préparation est couverte de sang. Super, je suis ravie. Ah, c'est dégueulasse. Divers instruments de précision. C'est une pièce vide. Nice job. Ouais, oh, quelle saloperie, on est d'accord, Orkel. Ça va, Orkel? On est d'accord que... Attends. Normalement, c'est pas de là où je viens, ça. Pas de là d'où je viens. J'aime pas les trucs qui te sautent dessus. En plus, putain, il y a des cadavres, il y a des sacs. Ah, une batterie lithium. Allez, je prends. Mais attends. Disque dur, allez. Les vieux bruits dégueux. Pire que les chiens. En transmettant le code, vous avez débloqué quelque chose, je sais quoi. C'est vert, du coup je peux sortir. Ah, ça fait une boucle. Hein, c'est bien foutu ça, dis donc. Ça a bougé derrière toi le sac. Non. Bien vu l'enchantement. Ouais. Non mais j'aime bien recharger par le menu. Ça c'est fait, là-bas c'est pas ça, et du coup bah la go, hein. De manière y a pas grand choix. Oh putain, je vais aller dans une grosse pièce là. Je vais dans une grosse pièce, ça se trouve vous allez avoir plein de bestioles comme ça. Parce qu'ici c'est rouillé, donc j'ai pas le choix. On est d'accord, là-haut c'est bloqué, ici c'est rouillé, en haut c'est... y a pas de... Oh putain, j'ai qu'un choix. Oh putain. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais mourir? On dit je pense pas le choix seul. Ouais, pas le choix, faut y aller. C'est un peu ça. Ah bah bingo. Je me sens pas cap. Je suis pas cap.
Oh, pack up! Pardon. J'ai pris la première porte qui venait. Ah, putain de saloperie. J'en ai pas les trois pour chaque. Hein. Ah, saloperie, avec conduite ventile et tout, ils me mettent pas bien. Bon, ça, j'ai déjà trouvé, c'est cool. Ah! J'entends les bruits! Il me faut la nitro. Ah, il est reparti. Ah, viens me chercher. Oh putain, c'est la guerre. Normalement j'ai fait une balle deux tirs. Enfin j'ai fait une balle et j'en ai touché deux. C'est plus efficace le fusil. Comme dirait Passepartout, sors la clé. Oh là là. Non mais il me faut la nitro, j'ai pas le choix que de visiter. Je peux avoir assez de mini là si. Enfin, j'aurais dû prendre mon soin. Ouais, nice, mais ça va pas durer. Je suis pas bien. Oh putain, vorace. Saloperie. Vorace. Le mécanisme d'autodestruction du laboratoire, il est immense. Je suis venu trop tôt ici ou quoi? Ah putain. Pardon. Heureusement que ça dégage et que ça repompe pas. Ouais, par contre, ils te suivent, quoi. Alors, j'ai pas vu de nitro. Nitro peu. Mais par contre, les pièces sont rouges, putain de tasse. Pardon. C'est le dernier? Non, c'est pas le dernier. Ah putain! Oh non! T'as laissé une batterie de taser? Ouais, bah tout là, je crois que je vais devoir y retourner. J'ai gâché les munis. Désolé, je fais trois fois le même truc. Tu me dis qu'il repop pas, donc faut que je les finisse quoi. Ah, puis j'ai un câble par terre qui me fait peur à chaque fois. Je crois que c'est des bestioles. C'est ma dernière balle de fusil. Le mag au pire il s'est tendu. Non mais je vais faire au pistolet. S'ils sont plus que deux, je vais faire au pistolet. Faut juste qu'ils viennent, qu'ils assument quoi. Putain, ça me fait peur. Oh putain, non. Non, ça one shot. Non. Ah, ça taser. Est-ce que ça va le tuer? Ça l'a tué? Oh, c'était horrible. Oh, coucou Baril, merci pour ton rêve. Oh, combien de temps ça fait? Pour ton 13e mois d'abonnement, oui. Me veux plus effectivement qu'il t'apprend des dégâts. Mais oui, j'ai plein de soins. Il est mort lui. T'es lui, il est pas mort. Ils sont combien encore?
pas quelle porte j'ai pris, mais j'ai pris une porte là. Bah, ça va et toi? T'arrives au bon moment, tiens. Il est mort là. Y'a plus de bruit? Y'a plus de bruit? C'est bon, je vais pouvoir me balader tranquille là. C'est quoi ces cafards? Ah bah je sais pas, mais c'est dégueulasse. Y'a plus de bruit, on est d'accord. J'ai besoin d'un soin. Tu sais quoi, je vais pas visiter maintenant, je vais me soigner d'abord. Putain, c'était horrible cette zone. Oh là là. Ils étaient dégueulasses. Ouh, oh, le coup de stress, je sais pas bien. J'ai envie de vomir. Les bruits là, ils m'ont donné envie de vomir. Je vais prendre juste un spray, ça me suffira normalement. Ça me libérera une place parce que bon voilà, quand on voit le carnage. Que si je mange un mélange d'herbes comme ça, je referai un herbe, un verre. Bah tu sais quoi, je vais pas me faire chier, je vais faire ça, je vais déposer. Bah, le fusil, je vais déposer parce que voilà, hein. Y a plus de balles. Oh là, fais bon, c'est bon, fais pas ta chuchote. T'es méchant! Hein? Voilà, ça va mieux. J'ai plus beaucoup de muni. Mais c'est pas mal ce que j'ai fait. Ouh, c'était horrible. Ils m'ont fait bien flipper. Une herbe verte suffisait. Ah merde! Ah bah, j'y suis pas allée de main morte. J'ai engagé 3 herbes. Bon, c'est pas grave. J'en ai à chier, quoi. C'est vraiment insane la quantité d'herbes que j'ai. T'es pas gentil d'être méchant. T'es pas méchant d'être gentil. Mais du coup, je sais pas ce que je dois récupérer dans ces zones, moi. Parce que là, il y a du feu. Je vois pas trop ce que je dois prendre ici. Parce que c'est rouge, on est d'accord. Ah, attends, il y a un truc là. Attention, risque d'explosion en cas de choc. Ah, la nitro, elle est là. Un dispositif en même temps de ravitailler la salle haute tension, il ne fonctionne pas car il n'y a pas de carburant, il y a une capsule vide. Prendre capsule et carburant, oui. Où est-ce que je vais la remplir, moi? La capsule de carburant. Je vois rien qui peut pas se régler avec une bonne dose de bégon. C'est trop ça. Donc cette pièce-là, ok, check. Pièce suivante. Ah, quand je voyais qu'il passait de pièce en pièce, laisse tomber, j'étais pas bien. Overheal, mais c'est pas grave. Oui, voilà, je pense qu'au niveau du heal, il n'y a pas trop à s'inquiéter. C'est l'avantage. Ensuite, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a récupéré ici? Ça, je l'ai fait. Ah, putain de ta race d'enculé de merde! C'est pas vide! C'est pas fini! Je pensais être safe. Il va falloir que j'y aille au magnum. Putain, il a pris une balle là normalement. Ah désolé. Je suis pas bien là. Vous êtes pas là pour ça? Pour les insultes et tout ça, tout ça. Après si je pouvais me choper par le plafond, je le taserais un bon coup. Allez, si c'est drôle. La zone était rouge quand même. Oui, mais la zone est rouge par rapport aux ennemis. La zone est rouge par rapport aux objets, non? D'ailleurs, pourquoi la zone elle est rouge?
Près de la batterie, par terre, long du mur. Près de la batterie, par terre, long du mur. Près de la batterie, par terre, long du mur. La batterie, par terre, long du mur. Quelle batterie? Ah! Putain, je vois. C'est bon. Sous une lampe dans un coin. Eh, joli. Bon, c'est bon. Je vais pouvoir remplir ma nitro. Oh, le coup de stress. Est-ce qu'il faut faire attention à pas courir avec la nitro sur soi? Et j'espère qu'ils vont pas m'en mettre des monstres. Parce que là, je craque. Est-ce que je sauvegarde? Mon ange gardien, Asmo, est-ce que c'est utile de sauvegarder pour éviter de faire de la merde? Je sais plus dans quelle pièce c'est. C'est bon, je vois. Oui, save. Ouais, ok. Ok, 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 ok. Okay. Ça sent la connerie. Sur ta manette, le pavé directionnel magique te sert à marcher. Oui, oui, bah oui, c'est ça. C'est qu'il faut pas que je cours avec la nitro, c'est bien ça. C'est ce que j'ai qu'à comprendre. Il y a une salle pas finie et toute rouge. Je te remets la carte juste après. Alors c'est qui la salle qui s'est fâchée tout rouge? Ouais, c'est l'ascenseur pour repartir. Je crois. Est-ce que j'ai besoin de swing? Pire, je prends une herbe verte. Je suis venu prendre quoi? Ah oui, bah encore. Vous pouvez sauvegarder votre progression. Oui! Et avec le pavé, il faut appuyer sur une touche pour courir. Tant que t'appuies pas, tu cours pas. Ah! Ah, tu vois, 29, 30, c'est bon. 33, 34. Parce que là, actuellement, je cours. Si je fais ça. Non. Si je fais ça, je marche. Donc, pas le stick surtout. Ah oui, les flèches! Ah oui, ok, faut que j'utilise les flèches. D'accord, 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 d'accord. Oui, comme ça, je serai sûre de pas faire de conneries. Ok, c'est bon, je vois. J'ai jamais eu autant de rubans, encore. Oh, ça va péter. Ça va péter! Les missions m'attaquent sur la route. Bon, je vois aussi. J'étais perdu. La croix, j'insiste, mais c'est pour être clair. Ouais, c'est bon. J'ai compris. Sinon, je vais exploser. Un petit morceau. J'ai de risquer. La barrière, il est arrivé à un moment donné où, où j'étais pas bien. Où j'étais vraiment pas bien. Allez, c'est parti. C'est sûrement un appareil de ravitaillement en carburant. Mettre la capsule en place, oui. Vous avez obtenu une capsule de carburant. Mais bon. Le carburant est principalement composé de nitroglycérine. Le fait de courir pourrait provoquer une explosion mortelle. Ok. Ah, et puis c'est vraiment genre à l'ancienne, quoi. Oh, pas tapez-moi, pas tapez-moi, pas tapez-moi. C'est un stun kill. Oui, c'est pour ça qu'il va aller mieux safe, comme tu dis. Pas tapez-moi, pas tapez-moi, pas tapez-moi. Attends. J'ai mis mon troisième disque dur? Du coup, la porte, elle est dispo. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. T'inquiète, pas de mob sur la route. Ah, c'est cool.
Je suis en train de voir que j'ai mes trois disques durs, donc la porte elle est toute verte. Ah, il me fallait mettre le carburant. Oui, les DD c'est fait. Ouais, bah oui. Mais la porte, elle, le levier, ça allait pas marcher. Parce que là, le carburant, pour moi, c'est pour remplir le système d'autodestruction. Non, mais imagine, j'avais lissé le dernier mob. Je serais arrivé avec le micro dans la poche, tu sais. Pour voir. Non, on va jouer safe quand même. On va jouer RP. Bah, ça fera une grosse explosion d'aide et chargement. Simplement. Pas drôle. Le jeu est pas pu, nitif. Non, pas là. Après ça va, le jeu est pas, il prévient. Il faut pas courir. Un dispositif a tellement de carburant, il ne fonctionne pas car il n'y a pas de carburant. Rate pas une marche qui redescend l'escalier, c'est clair. C'est bon, je peux recourir comme une fofolle. Oui. Après là, on va pas à l'autodestruction encore. Là actuellement, on fait les leviers. Oui, mais pas de monstre même si tu les tues pas avant. Ah, c'est sympa. C'est pas chiant. Ah, je comprends ce que tu dis, le jeu il est pas pupu. Ok. Pourquoi ils ont mis une pièce que où je peux pas aller? Ah, peux... Ouais, quelqu'un qui te tape sur l'épaule. Quoi? Boum! C'est trop fort. Ah, on profite qu'on puisse rigoler parce qu'on va me rigoler quand on sera face au putain de tyran. Alors, normalement. Des leviers pour débloquer les serrures. Ça a l'air de fonctionner, oui. Des leviers pour débloquer, ça a l'air de fonctionner, oui. Des leviers pour débloquer. Je n'en ai pas entendu ça. J'ai très peur là. Je sais pas où ça me mène. Un escalier, une salle. Juste un escalier, une salle. En gros, on va devoir mettre le truc d'autodestruction et prendre l'ascenseur. Oh putain. J'ai plus rien dans les poches là. Je suis en walp. Nothing in the pocket. Ah, ça s'enfonce, j'aime pas ça. Non, je voulais pas m'enfoncer, moi je veux remonter, moi. Je veux la lumière du jour. Oh putain. Ils se raccrochent à ce qu'elles sont. Oh. Jill. Chris, you're alive. Ah, trop bien. Of course I'm alive. Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. It won't open. Wait, I'll be back to get you out. Okay. No sightseeing though. Mais oui, évidemment, vu qu'on est deux. Est-ce que c'est important là, le petit câble là qui traîne en haut là? Comment je vais l'ouvrir moi? J'en sais absolument rien. Je vais pas mettre en autodestruction. Là où tu as le système d'autodestruction, t'as un ordi que t'as pas vu sous la panique. Sous la quoi? Je ne vois pas de quoi tu parles. Quelle panique. Non, effectivement, l'ordi, je l'ai pas vu. Allons chercher la nitroglycérine. Non, c'est fini, ça, Varil. J'ai plus de capsule. Je peux tirer dans la nitroglycérine, par contre. Imagine. Ma panique, moi, connais pas ce mot, moi. Tout va bien. Je me sens très bien. Très à l'aise. Tout va bien. La schtroumpf, la schtroumpf, la. La schtroumpf, la schtroumpf, la. T'as une fin ou tu viens la chercher plus tard ou tu le laisses? Ah! Y'en a une où tu le laisses?
Et si t'es un ordinateur des années 90, t'as raté un écran cathodique. J'ai encore une télé cathodique à la maison. Pour mettre la GameCube et la PS2 dessus. Ils sont increvables ces trucs là. Faut que j'achète une télécommande. Sans télécommande ça marche pas. Donc tu m'as dit la salle du fond, là où j'ai paniqué. Et je trouve pas le bon chemin. Alors est-ce qu'ils vont se battre à deux contre le tyran? Ce serait trop classe. Attends, c'est quoi le chemin? C'est pas là. Dans ma panique, j'ai capté les bonnes pièces, les bons endroits. Partir d'ici, t'as 4 fins. Ah oui, d'accord, ok. C'est facile de louper de vue ce genre de truc. Ah putain, non! Non, vraiment non. Non, non, non et non. Ok, c'est non. Non, c'est non, ok? Un abra sauvage. Non, regarde si je dis pas non. Putain, mon Pokécatch, je l'ai annulé. Je pèterai plus de Pokémon. Oh putain! Ah, j'étais un taras! Eh, tu vas te prendre un coup de taser, mon gars. Ah, y'en a plus, y'en a d'autres! Tu dois refaire au magnum là. Oh! Y'en a un qui est mort déjà. Donc quoi, t'as le nouveau copain d'Assez, tu veux faire un câlin? Mais non, mais normalement, il n'avait plus! Je te dirais une save pour les faire plus facilement. C'est-à-dire. Je te dirais ou save pour les faire facilement. Ah! Ou save. Le ou l'emplacement quoi. Pas ou le choix. Il est où le machin? C'est là l'ordinateur, j'ai pas vu. Eh oui, l'ascenseur n'est pas alimenté par l'électricité. Le mettre en marche, oui. Oh le bruit. Oui, à quel moment? D'accord. Super, mais l'ascenseur ne me permet pas de prendre Chris. Par terre, je veux juste le tuer. Il m'arrive dans le dos. Non, 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 non. Je m'en fous, j'ai de la vie. Non. Putain, il se couche. Non, non, mais par contre, là, j'ai plus de vie. Je vais arrêter les conneries. Run. Ouais, bah. Ouais, mais si je dis pas de conneries, normalement, il me suit. Là, elle a plus de vie, elle a fait trop mal au cœur. Fuir, c'est le début du danger. Je viens de voir ton message, Marine. C'est le début de la fin. Ah, ils ont plein de techniques de combat, ces saloperies, là. Je sais pas comment je vais récupérer Chris. J'ai rien pour le sortir de la prison. Parce que si je me barre par l'ascenseur, Ah, peut-être que l'ascenseur va m'amener à un endroit où... Je sais pas. Du soin. Il a ta flingueur, hein. C'est trop ça. C'est vraiment trop ça. J'ai plus de mini. Alors, réflexion, Bah l'ascenseur ça m'arrange pas. L'ascenseur c'est partir en fait. Et là c'est pas le but. Il pompe mag et mun plus soin égo ascenseur. D'accord, oui mais Chris, si je le laisse derrière moi. Alors déjà save. Et il pompe mag et mun. Il pompe mag et mun. Mais pompe, fusil à pompe, j'ai plein. Hein. J'ai plus de muni. Magnum G par contre. Mélange d'herbe, mélange d'herbe. Non, pompe, c'est fini. Hein. La save. Il
Ils sont où mes rouleaux? Prends-le quand même, le pompe. Plus tard pour Chris. Prends-le quand même, le pompe, d'accord. J'aimerais bien save. Je trouve plus mes rubans. Voilà. Avec une place. Oui, oui, parce qu'il va y avoir des munitions de fusil, j'imagine, sur place, si tu me dis ça. Allez, on sauvegarde. Sauvegarde réussi. Et de ce que j'ai compris, on part sur le boss de fin. Rien que ça. Normalement, rien que le max, c'est assez. D'accord. Donc on part sur le boss de fin. Après, si je combine ça et ça, ça me fait une place. Est-ce que je reprendrai pas du sou en plus? En laissant un emplacement, évidemment, mais avec plein, beaucoup de soins, beaucoup de soins, beaucoup de soins, beaucoup de soins. Un petit spray qui traîne, ce serait pas mal. Après, j'ai beaucoup d'herbes bleues parce que aussi j'en ai jamais utilisé quoi. C'est pas le boss de fin là. Un boss qui vient du Magnum mais qui est pas le boss de fin. Et j'ai oublié de récupérer mon fichier, mais oui. Et j'ai corrigé ça de suite. Donc on a dit l'ascenseur. Mais c'est tellement pas logique. T'as Chris à sauver et tu prends l'ascenseur quand même, quoi, je comprends pas. C'est le boss d'intro. C'est le combat le plus dur. Oh non. Oh non. Jill. Oh putain, il me fait peur ce con. You could have at least waited up for me, no? Let's go. Ça va être cool. Son Magnum qu'elle a dans la main. J'ai enregistré. Hein. Ouais, j'ai enregistré. J'ai une demi-heure pour réussir le combat. Ça va. Putain, j'aime pas l'ambiance. J'aime pas l'ambiance. Allez, voilà. Ça, pour me remonter le moral, c'est toujours efficace du loot. Toujours. Et merde. Une fois que t'as fini l'un, tu feras le 2. Nope. Nope, nope, nope. Ce sera Crazy Score qui va enchaîner. Le prochain jeu d'horreur, c'est Projet Blair Witch. Et pour pallier, je sais plus combien d'abonnés. Non, non, c'était un palier abonné, le Resident Evil. Et je pense pas qu'il allait vous faire plaisir comme ça. Et après, au-dessus de Projet Blair Witch, il y aura Phasmophobia. Et là, ça va pas être le même délire. Alors attention, c'est qui ça? Wesker? Wesker! Bingo! Non! Thank you, Barry. Well, what do you know? Mais oui, évidemment. Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl, but I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Attends-nous et remontera pas alors. Barry. You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family. You bastard. Bastard. Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seem to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. Et merde, voilà le tyran. Oh.
Ouais, bah oui, c'est pas un méchant, il est menacé. Voilà le tyran. Le fameux. Et merde. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Oh! Oh merde. Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Non, il est pas beau du tout. Shit! Eh merde! En plus, on est dans un petit espace, ça va être sympa. Ouh. Fuyez, pauvre fou! Fuyez, pauvre fou! Damn it! On sent que Barry va se faire sortir direct de la, du combat. Jill and Barry, together. In hell. In hell. You want a piece of me? Et tue-le, le Wesker, au passage. What? Premature. Tiens, dans ton cul. Eh mais il va tuer tout le monde. Ah bah là, Barry, j'étais sûr qu'il allait se faire mettre out. You viral cultured freak. Allez, je me suis pris un coup déjà. Ça commence. Oh putain. Non, 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 pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Mais non, mais je suis obligé de me prendre le coup de griffe là. Il a pas pris là. Attends, il y a un endroit où je peux pas faire demi-tour. C'est quand même chelou ça. Burke, il est pas beau, on est d'accord. Wesker qui croit qu'il peut contrôler un monstre, mais c'est clair. Attends, attends, je peux pas faire le tour, comment je vais faire? Attends, c'est ça, c'est vraiment ça la carte? Ah ouais, d'accord, faut pas que j'aille me foutre au fond là-bas. Oui, c'est transformé, c'est ça? Il est où? Je peux le cramer? Attends. Attends. Mais non. Mais non. Mais non. Il est pas déjà mort. C'est pas possible. C'est pas possible. Y'a un truc qui cloche. Machine permettant de compiler machin. Non, y'a un truc qui cloche. C'est ça un boss? Mais non. Mais non, il peut pas mourir en 3 balles. Non, non, c'est une blague. C'est méga lol. Qu'est-ce que je peux faire de plus? La pièce, elle est rouge. Il est mort hors champ en plus, oui, il est mort. Mais non, mais il est pas mort, c'est pas possible. Cette barrique, faut que j'aille voir. Quelle mort affreuse, il tient quelque chose dans la main. Ah, note d'observation. Le virus G a en fait été découvert 21 ans après l'administration du premier virus primogénitor. 6 balles de mag. Mais j'en ai pas mis autant. Le parasite prototype envoyé par un laboratoire français. Arrêtez de dire que ça vient de France à chaque fois. Avait été administré au spécimen témoin. Ce dernier avait accepté le parasite sans manifester aucun signe de rejet. Cette absence de réaction était restée un mystère pour tous, mais maintenant j'ai compris. Dans Walking Dead, c'est pareil, ils disent que ça vient de... que ça vient de... genre de France. Le parasite prototype est resté en incubation dans le corps du spécimen pendant 21 ans. Au bout de cette période, le prototype a subi une mutation soudaine. Le terme évolution serait peut-être plus juste. Cette observation a donné à mes recherches une nouvelle perspective. Après des tests et des modifications supplémentaires, j'ai réussi à mettre au point une méthode permettant de créer un G, dont les performances surpassent celles du T. Cette découverte va bouleverser à tout jamais l'avenir des armes biologiquement modifiées. Je suis impatient de voir la sale tête d'Alexia lorsque j'annoncerai les conclusions de mes recherches. Malheureusement, il va me falloir plusieurs années avant de pouvoir corroborer totalement les résultats. William Birkin. En sortant de l'ascenseur, n'oublie pas de save. Ok! Tu m'as dit qu'il y a un ordi. Quelle mort affreuse. Attends, Barry, faut que je lui parle à Barry aussi. Il est où Barry? Il est pas mort, Barry. Barry! Barry! Barry!
Tout le monde sait que les gars viennent d'Asie, des mecs. Asie, surtout. You're okay. Jill, sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. Ah merde, non, sérieux. First, let's just get out of here. Bande de boulets. Vous êtes qu'une bande de gros boulets, quoi. J'aurais dû l'achever au sol. Tu m'as dit un ordinateur. Active l'ordi au fond et fouille le coffre. Qu'est-ce qu'il y a? Un ordi au fond. Un ordi au fond. Attends, il y a un passage au milieu. Ah, mais c'est le passage au milieu que j'aurais utilisé, c'est trop classe. Un ordi au fond. Il y a plein d'ordi au fond. J'ai déjà cliqué par là. Attends. Ordi au fond, ordi au fond, ordi au fond. Le tout éclairé là? Non. L'autre fond. Je vois pas quel ordi je dois activer. Il ressemble à quoi l'ordi au fond? Bah il est au fond. Ok. Je vois pas d'ordi. Tape dans le... Je vois pas d'ordi au fond. Ordi au fond. Là, celui-là? Non. Celui-là. Le terminal a l'air de servir à la surveillance de l'état des créatures prisonnières des capsules. Vous n'avez jamais rêvé d'aussi effrayant. Wesker, c'est le grand méchant de la saga et surtout du 5. C'est vrai. Hein, tu le dis. Je vois pas d'ordi au fond et la zone, elle est verte. T'es sûr qu'il y a un ordi? De l'autre côté? De l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. Parce que celui-là, j'ai beau taper dessus, ça fait rien. Celui-là, ça réagit pas. Là, je spam le X. Un panneau permettant de débloquer le verrouillage électronique d'urgence. Ah! Ok. Et là, ça libère toutes les saloperies de machines, là, tu sais. Ok, ok, c'est bon, j'ai trouvé l'ordi au fond. Il clique à gauche. C'est trop ça. J'ai vraiment fait tous les ordis. En cliquant. Donc je dois enregistrer après être redescendu, c'est ça? Et on va le taper contre Wesker. C'est pour libérer quelqu'un. Bah ouais. Wesker must have set it off. Let's hurry. Tu m'as dit de save. Ok. J'ai boss vaincu, l'ordi cache-cache. J'aurais préféré que ce soit moi qui choisisse de démarrer l'autodestruction. Mais j'ai plus trop de balles. Si, j'ai du balle de pompe. Save. J'ai du balle de pompe. J'ai un petit peu de balle de magnum. Alors, faut pas qu'il y ait un timer sinon j'explose. Hein. C'est tout ce que j'ai, ce qui me reste en balle là. Des balles de golf. Attends, je sais pas si j'ai le temps de faire un tour de mon inventaire, mais je vais vérifier quand même. Mais je crois que si le reste c'est j'ai des balles de greux quoi, mais du lance-greux j'en ai pas mal. Du gros j'en ai, hein, mais... Tac. Après la save, en sortant du couloir, va à droite. La porte verrouillée, là? Celle qui était rouillée? 35, 36... Celle qui me perturbe là depuis le début. Bon, je dépose les rubans. Et let's go. Bah attends, du coup, j'ai pas utilisé de soin. Si, j'ai utilisé du soin quand même là, sur le méchant. Inventaire, le mag et ses mines de soin. Attends. Donc tu m'as dit. Inventaire, le mag et ses mines du soin et le lance-grenade et ses mines. Plus une place libre. Est-ce que je tente de partir sans le pistolet?
Enfin, j'ai save, hein, je peux me permettre. Après, j'ai plein de types de mines différents. Pose le pistolet, c'est mine. Ah, mais j'avais pas de mine pour le pistolet. J'en avais plus. Ah, attends. Grenade acide. Je sais pas si c'est mieux. Oh putain. Même le pompe en vrai tu peux poser. Ok. Pompe poser. Gros comme ça normal ça m'intéresse pas. Et par contre les incendies elles m'intéressent. Shoot an annihilator. Oh ça, autodestruction en cours, autodestruction en cours. Et moi je suis en train de fouiller dans mon sac. Prends grenade et grenade acide. Ah merde, bah j'ai pas pris les grenades normales. Il me restait que deux en même temps, c'est pas très cool. Et tu m'as dit la porte en face. C'est verrouillé, impossible d'ouvrir la porte. C'était pas celle-là dont tu me parlais? Mais je dois pas aller chercher Chris là? Je dois aller chercher Chris ou pas? Oh, je sens que je vais mourir moi. Droite après la porte. Et je vais aller chercher Chris. Il dit direct à droite. Ah mais moi je demande si je dois aller chercher Chris. Oui Chris, ok c'est parti. Putain! Pardon. Il y avait des bestioles. Saloperie de bestioles. Non, je suis pas au bon endroit. Si. Ouais, je comprends mieux pourquoi tu m'as pas fait passer par devant. En fait, je me... Bah, ça aurait fait un card jump, quoi. Ça vous aurait fait plaisir. Tu m'as évité une bestiole, c'est ça? C'est meilleur le chanchouin, c'est ça? Tu m'as évité un scare jump. Si tu prenais à gauche, il y en avait deux des bestioles. Ah, d'accord, ok. Ah, j'aurais été en PLS. Chris! Sors de là! Chris, debout! Jill. Sorry about the wait. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Y'a combien de temps d'autodestruction là? Cours, Amstérix! Si ça, ça fait des bruits chelous, tu t'arrêtes pas? Attends, le chemin vers l'ascenseur. Du coup. T'arrêtes pas, mec! Je préférais le manoir, hein. Là, si tu saves, tu saves par. Attends. Par en haut. C'est bon, on est sauvé, on est coincé dans la même cellule. Tu saves par en haut? Tu veux que je re-save là? Attends. À part. Si tu... Là, si tu saves, tu saves à part. Non, mais je viens de save, donc c'est pas très grave. Par contre, faut pas que je l'écrase, ça veut dire. Ouais. Non, je pense qu'il n'y a pas besoin de save. J'ai save juste avant d'aller chercher Chris. Du coup, j'ai rien fait. Oh putain! Saloperie. La 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 la, t'as qu'à crever toute seule au fond. Meurs saloperie, grosse charogne. Grosse charogne, grosse charogne, grosse charogne. Grosse charogne, grosse charogne, grosse charogne. Je peux pas appuyer. Mais ça te permet de faire une autre fin. Non mais ce jeu, c'est genre frais. Adieu Chris, bonne balade. Parce que de toute manière, comme j'ai sauvé juste avant Chris... Ah, tu voulais multiplier les sauvegardes? Bon, je pourrais le faire plus tard. Pourquoi il est pas avec moi, Chris? Attends, tu veux que je revienne en arrière, là? Attends, on a encore le temps. Parce que vu que j'ai sauvegardé avant de faire Chris... Normalement... J'ai pas besoin d'en refaire. Mais je sais pas où il est parti, Chris. Je l'ai perdu en cours de route. Il sait pas ouvrir les portes, peut-être. Je sais pas. Bon, allez.
Let's go. Cette porte, elle est importante. Ça t'évite de refaire couleur. Oh, c'est pas grave, ça. Ça me paraît pas très grave. Comme ça, on va aller directement vers la mort. Je me suis trompé d'endroit, c'est ça? Je me suis perdu. Par où je dois partir? Fallait pas que je prenne l'ascenseur? Oh non! Fallait pas prendre l'ascenseur! Mais fallait partir par où? Par là où on est arrivé? Ah bah ça se trouve, c'est l'ascenseur, il va me tuer. Faut remonter par là où t'es venu au début. Ah merde! C'était Chris qui avait raison, putain. J'ai. Fallait suivre Chris, mais oui. j'ai eu le réflexe de l'ascenseur. Pour moi, l'ascenseur, c'était la sortie, tu vois. Ah merde, la conne. Désolé. Comme on était en train de parler de la save, j'ai pas capté. En plus, je suis passé pour rien à côté du monstre et tout. Hein. Ah, dans ma tête, c'était ascenseur égale sortie, mais pas du tout, quoi. Pas du tout, on a bien vu pourtant. Alors attends, je suis arrivé par où? Non, je suis arrivé de l'escalier là-bas. S'enculé, putain, c'est le seul prix de mes deux. Pardon. Chris, mais elle est partie où? C'est trop ça. Ça, elle a oublié de faire quelque chose, apparemment. Non, non. Courez! Fuyez, pauvre fou! Courez! Putain, combien de fois? 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, on sait pas trop combien de temps il nous reste. Elle est partie faire caca. Ouais, c'est clair. Elle est partie faire caca chez Paul. Fuyons! Ah, échelle. Elle est partie chercher du top, ouais. Elle a vu quelque chose qui brillait. Oh, ça brille! Come on, come on, hurry! Ça fait 10 minutes qu'ils m'attendent, genre. En vrai, dans la vraie vie, on se serait fait... il m'aurait abandonné. Hein. J'aurais mérité. Ah putain, plein de mini. C'est quoi ça? Mais j'ai plus de place, moi. Prendre munitions de fusil. Non mais j'ai... Ah si, ça a pris ça. Ah mais là, les trousses de soins, laisse tomber, c'est pas grave. Ah mais ça va me faire une pièce rouge. Tant pis. C'est pas grave. Après, si ça me fait chier en fait. Ça me fait chier de laisser ça. Mais qu'est-ce que tu fais, Jill? Il faut t'en aller. Oui, oui, je sais. Tu peux revenir au coffre. Ah. Voilà. Ça c'est fait. Et ça c'est fait. Ouais, mais tu vois. Ah, comment ils me font le peur? Ils me regardent genre. C'est bon, t'as bientôt fini? Oh, juste une herbe verte. Ah, j'ai pas gagné au change. Bon, bah, j'ai pas assez d'huile. Allez, on y va. Let's go. Il te faut une place libre. Ah merde. Mais tu m'as dit que non? Il me faut une place libre. Bon, bah, je retourne au coffre. Moi j'ai blindé mon inventaire. Hein. Faites pas attention les mecs. T'as déjà explosé ici à ce niveau-là du jeu? Échelle c'est ça? Ah bah j'ai pas capté, désolé. Donc on a dit... Mais j'ai un bordel monstre moi là-dedans. Bah go, hein, tant pis, j'ai plus de mini que de soin, comme d'habitude. Je risque de mûrir. On va tous mûrir. C'est encore rouge en plus, hein. Attends que t'as pas de chrono affiché. Ah d'accord. C'est encore rouge en plus. Qu'est-ce qu'ils vont me faire filer? Ah, pourquoi c'est encore rouge? Là, y'a plus rien qui brille, on est d'accord. Là, y'a rien qui brille.
Oui, c'est normal le rouge. Ah, c'est normal le rouge là. D'accord. Il y a quoi, deux portes? Ouais, une porte. L'ascenseur ne fonctionne pas, il faut rétablir le courant. L'alimentation électrique doit s'en écouler moins que l'unité de fusible. Ah. Elle est où l'unité de fusible? Ah, elle est là. Franchement, je suis vraiment passé devant. Sans la voir. T'es passé dessus. Ok. Tout va bien. C'est vraiment inutile, à part faire flipper. T'as cramé 200 pour rien alors que t'avais le coffre juste au tout côté. Ouais, c'est pas faux. Ah voilà. Damn it, we're almost there. Jill, you just hit in contact with Brad. No. We can make it. Jill, ladies first. Ladies first. Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. Ah, ça va pas être aussi simple que ça à mon avis. On va tomber sur qui, nous? Ça fait du bien quand ça s'arrête, le bruit d'autodestruction. Ah bah voilà, on a les 3 minutes, là. Attends. Moi, je peux pas utiliser mon inventaire, je peux pas bouger. Ça craint. C'est quoi ça? Prendre fusée de signalisation. Oui. Fusée de signalisation pyrotechnique, je peux signaler ma présence à Brad avec. Ok. Oh, j'ai peur, putain. J'ai peur. Je suis équipé en quoi, là? En magnum. Attends. Où est-ce que je dois y mettre les feux, là? Ici, là? Le vieux P4E. Piou! Oh, ça sent la connerie. Jill! You made it! Oh putain. Oh putain. T'as pas équipé. T'es pas équipé. Ah, je me suis déséquipé, c'est ça? Oh non! Pourquoi je suis avec des imps capables à chaque fois? J'en peux plus. Toujours le boulot, quoi. Mac Barry, je vais peut-être pas avoir besoin de le tuer. Donc là, tu m'as dit, je suis déséquipé. Attends, on se grenade. Dans le cul, Lulu. Non. Putain. Et merde, non, j'ai pas réagi assez vite. Mais non, j'ai utilisé la mauvaise arme. La patate de forain. Bah oui, mais du coup, j'ai Barry, il est mort. Alors que mon ami, il aurait pas dû mourir, Barry. Il est peut-être pas encore mort. Oh putain. Je suis un peu deg. C'est un peu mou. Ah, attends. Tu me disais, t'as une fin où tu sauves Chris et Barry, une tu sauves Barry, pas Chris, une Barry qui meurt pendant un combat et Chris survit. Ouais, d'accord, ok. Ah, mais il est dessus! Lance-roquette, oui! Bah, il y a un pécho! Ah, bon, oh putain la vache, elle a pris cher là. Putain, ah, je suis dégoûtée pour Barry! Putain, j'étais un poil de cul de pouvoir le sauver là. Moi qui voulais le tuer la dernière fois. Oh, oh la bouillabaisse! Ah, une où tu meurs aussi, bébé, non. La bouillabaisse. Ah bah tant pis. On aura pas réussi à sauver Barry. Mais en même temps, c'est pour se rattraper du fait que j'avais envie de le tuer dans la crypte. Donc, Michael Bay, présente. Alors, saloperie de la noire. Oh, belle explosion. Mais du coup, on est le seul à être monté d'un... Ah non, j'ai Jill et Chris. Ça me va. Oh, ils sont mignons tous les deux. Donc, croyez qu'il est infecté du Chris, genre comment il la regarde et tout, genre. Enfin, qu'il va la bouffer.
Reload pour les trois autres fins. Ouais. Je sais pas si on fera ça ce soir. T'as, y'en a un, tu peux abandonner Chris dans sa... si tu vas pas le chercher. Et voilà. Le seul qui avait une famille est mort. Wesh frère, reload. Donc y'en a un où je vais pas chercher Chris. Du coup il est obligé de mourir. Y'en a un autre où je sauve Barry. Là faut qu'elle meure. Si t'en as pour 5 minutes à chaque fois. Non mais il est déjà minuit là donc on va s'arrêter là dessus. Et c'était sympa. Et moi le réveil il sonne tôt hein, le matin. Adieu Barry. C'est ça. Tant pis pour toi Barry. Deux où tu vas pas chercher Chris. Ah oui. Ah oui je vois. Oui parce qu'il y en a une tu sauves Barry l'autre non. Ah mais moi si j'avais compris qu'il fallait que je fasse du pompe, pas du pompe mais du comment dire. Du magnum plutôt que du pompe pour le gars. Enfin du magnum plutôt que du gros greu pour le sauver j'aurais fait mais... Bah oui, non, non, bah, on va finir là-dessus pour ce soir. Non, puis refaire 5 fois la fin, je suis pas sûr que c'est très intéressant en stream. Sachant que ça se joue sur très peu de choses. Par contre, il y a plein de têtes que je reconnais pas là, c'est normal. Et 60 où tu te sauves pas toi-même. Ouais, et 60 où tu te sauves pas. N'importe quoi. Et pourquoi il y a un personnage que je reconnais pas, là, la petite là? C'est qui? C'est qui la petite? Meilleure arme, le mag, le geste au cas où. Ah, d'accord. Ah, j'avais pas compris. Si, la petite brune, je la connais pas moi. C'est qu'avec Chris, t'as pas la bonne fin. Ah! Tant pis! Mais c'est qui la petite? Mais je l'ai pas croisée une seule fois. Jill, you did a fine job. Ah, il a dit que j'ai fait du bon boulot. Quand même. 13h40. Jill a obtenu un nouveau costume, vous avez obtenu la clé du placard. C'est Rebecca Chambers, histoire de Chris. Ok. Alors, pour pas faire de conneries. Dans le doute. Et le problème, c'est quand je vais jouer avec Chris, est-ce qu'il va falloir que je joue sur les mêmes sauvegardes? Rebecca Chambers. Bon, on va aller voir la tenue. Dans le menu, t'as un résultat des fins. Ah! J'ai été coupé. Dans le menu, t'as un résultat des fins. Galerie? Cinématique, prologue. Non. Ah si, épilogue Jill 2. Secret, 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 secret. Donc, ça, ce sont les fins en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Défunt, défunt. Ah, bien joué, pas mal. Classement. Le jeu aime bien me couper le sifflet. Ça, c'est toutes les fins du jeu, ok. Il y a des gens qui ont fait le jeu en 0. C'est pas logique, ça. Il y a un bug, là. Elle est où, la clé du placard? Manuel, option, c'est quoi manuel? Manuel d'instruction, ok. Regarde les amis. Ah les amis, alors attends, classement. Mais c'est quand même chelou les temps à zéro. Profil, mon rang. Ah, mon rang, ça doit être kata. Survie. Ah non, option. Amis. Asmodé! Asmo! Y'a que toi qui as tout fait! Y'a plein de fins, mais aucun début. Vas-y, un seul début, plein de fins. C'est toi qui as tout fait! Et moi, je vais apparaître en mode normal normalement, ou pas? Ah, on est 4 à l'avoir fini en mode normal. Sanias, Asmo, John et Ryu. Moi, j'y suis pas dedans, moi! Mourant, you mourant! Et j'aurais la fierté de dire que je l'ai fait en normal. C'était pas gagné, mais je l'ai fait en normal.
Bon, ça c'est fait. Pour faire Chris, il faudra que je fasse une fois de plus. Ou continuer? T'existes pas, c'est clair. Il y a un délai pour la mâche. Ouais, ça doit être ça, parce que sinon c'est vraiment une insulte. Le t'existe pas, il fait trop mal. Bah, j'ai vu qu'elle voulait faire des gros gros bisous, mais et, franchement, le timing parfait. Minuit 3, on a fini le jeu, quoi. On a trop géré sur le timing, quoi. Il faudra que je fasse ça qu'une fois de plus? Ok. Trop géré sur le timing. Bah, j'ai plus qu'à faire des gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Reposez-vous bien. Et à le travail demain, hein. Et ça fait chier. Donc, bonne nuit. Bisous. Et à la prochaine. Ciao, ciao! Et si ça avait été fait exprès, franchement, c'est un peu ça, Orkel. Si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu. Allez, bisous à tous, ciao, ciao!